Des années, le Mali baigne dans la corruption. En janvier 2012, des islamistes radicaux prennent d'assaut le nord du pays avec des armes provenant de Libye. Les Touaregs ont facilité l'entrée de ces djihadistes venant de l'extérieur du Mali, voyant par là un moyen de faire entendre leurs revendications sociales. Ils se trompèrent et furent manipulés. L'armée s'est insurgée, la junte putschiste a chassé le président Amadou Toumani Touré. Le Mali, à 95% musulman, connaît depuis des centaines d'années un islam de rite malikite tolérant. Aujourd'hui, des fanatiques armés sèment la terreur, imposent la charia, fouettent, mutilent, lapident, violent, interdisent musique et alcool, détruisent le patrimoine et la mémoire, instaurent la peur. On compte déjà près d'un demi-million de déplacés. Ce film a été tourné en 2009. C'est un frère de couleur, intelligent, président du monde entier. Et je suis fier de lui. C'est tout cela. J'aime créer son image dans ma peinture. Ça me plaît de faire sortir sa beauté de couleur. L'Afrique est bien riche. Ce sont eux qui l'ont appauvri, l'Afrique. Moi, mon souhait là, on n'a qu'à donner ça à une femme. Tu ne vois pas, c'est-à-dire, moi c'est la femme qui me fait nourrir. Hein. Tu ne vas jamais trouver un homme dans ma peinture. Jamais. Il y a une. Ça c'est un grand honneur pour moi. Un grand honneur pour moi. De le mettre dans ma peinture. Pour montrer aux gens que l'Afrique repousse. Au milieu des fleurs blanches et fanées. Le peuple ne se bat pas pour être président. Le peuple se bat seulement pour sa propre liberté. Qu'est-ce que le peuple en a besoin auprès de leurs dirigeants? Cinq choses. Alimentation. Éducation, santé, l'eau et l'électricité. C'est une chose. Alors ce sont les gens qui mécréent. Tout ça là, c'est l'échec de l'Afrique. Voilà l'échec de l'Afrique. Quelques hommes seulement. Bon, celui-là, par exemple, c'est un monument vivant. Non, c'est un monument. Comment un noir au milieu du monde blanc? Et c'est une fierté. Regardez, oh, dans le gouvernement des États-Unis, ce n'est pas les Américains seuls qui sont dans le gouvernement. Hein. Tout le monde entier, les Arabes, ils sont tous dedans. Mais c'est le roi qui gère tout. Moi, je vois que c'est pour ça que l'Afrique a des mystères. Ça, c'était la cuite d'hier. La cuite d'hier? Oui, c'est d'hier. Le marché. Lundi, c'est le marché ici aussi. Donc ça, c'est la cuite d'hier. Aujourd'hui, ce soir, il y a la cuite qui vient demain matin à 5h. À 5h, il quitte tout à la boubou pour venir ici vers 6h. Ce matin. Thank you.
C'est la dune noire qui contient le fer. Le fer dans l'eau. On peut être avec le canet ici. Gracias.
sans le soleil, on ne peut pas avoir de jolie couleur. Et tous ces tissus-là, on appelle bacillus infini. Tissu trempé dans la décoction des plantes qui sert à soi. Et le brolan est venu par accident, on ne savait pas. Il y avait un chasseur qui était habillé en tenue jaune. Il est allé à la chasse, il a tiré les gibiers. Et les gibiers sont tombés dans la boue d'argile. Le chasseur a voulu prendre son gibier, l'argile a tacheté sur son tenue. Arrivé à la maison, sa femme a essayé de laver la tache. La tache n'est plus partie. C'est ça, est née une autre technique qui s'appelle le bokola. Tissu décoré avec l'âge. On a comme symbole ici, on a le carrefour. Être ouvert aux autres. Il ne faut pas être mesquin dans la vie, car la vie n'est qu'une côte de rue. Il faut être toujours un carrefour, être ouvert aux autres. Traditionnellement, même si une femme a envie de faire des bagarres, quand on montre la paille, directement, elle s'est ressaisie. Parce qu'à travers des décorations des pains, tout le monde comprend les messages. Et ce sont ces pains traditionnels que les vieilles femmes vont offrir à des cadeaux à des nouvelles mariées pour qu'ils puissent prendre des bonnes habitudes dans les foyers, avoir un climat serein et social. Okay.
Ah, c'est qui? Ah, c'est lui. Et là, on y va. Ah, c'est lui.